Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ce débat républicain mérite que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui part, plus du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI.